salut à tous, c'est Moltres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature, je vais vous présenter un deck barrière de glace, donc avec Trishula dedans. Pour voir seulement une ouverture d'un seul deck de structure pour connaître son contenu, je vous conseille la chaîne de Thomas67SI, qui est un ami qui a une chaîne YouTube qui présente du Let's Play avec du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Minecraft et encore plein d'autres jeux. Il a également fait des duels Yu-Gi-Oh!, il a fait des ouvertures Yu-Gi-Oh!, donc un maximum de soutien pour lui, allez le voir et vous abonner. J'espère que la vidéo vous plaira et maintenant c'est parti. C'est parti pour la présentation de ma decklist, uniquement avec l'achat de 3 decks de structure. Il vous faut tout d'abord 2 Wayne Général de la Barrière de Glace, ensuite 3 Commutatrices et 3 Révélatrices, 2 Esprits Hexa de la Barrière de Glace, 1 Poisson Pêcheur Silencieux, 3 Prieurs de la Barrière de Glace et pour finir avec les monstres, ces 3 cartes en un seul exemplaire. Ensuite pour les magies, il vous faut 3 Chaînes Glaciales de la Barrière de Glace, 3 Emblèmes de la Barrière de Glace, 2 Sauvetages, 2 Surfaces et 3 vents au-dessus de la barrière de glace. Et pour finir avec le main deck, avec les cartes pièges, il vous faut 2 chaînes démoniaques, 3 répressions et 1 terreur de Trishula. Et évidemment, la stratégie du deck est basée sur l'invocation de monstres synchro, donc l'Estra deck contient 3 Trishula Dragon 0 de la barrière de glace, 1 Trishula Dragon de la barrière de glace, 3 Gungir, 3 Brionac et 1 Deloren. Voilà, je vous ai présenté une decklist avec simplement 3 decks de structure. Dites-moi en commentaire si vous voulez une decklist plus améliorée avec l'ajout de plusieurs cartes comme des N-Trap et autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao ciao !